Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire 3 petites attaques avec ce deck. Maintenant je déconne, vous savez ce qu'on a débloqué? Vous savez ce qu'on a débloqué? Eh oui, on a débloqué le golem de glace! Bon, il faut que j'arrête ma voix aiguë. Il faut que j'arrête avec ma voix aiguë parce que c'est... Donc on va le mettre contre qui? Je sais pas, c'est... c'est tentant de le changer contre le sorcier, mais bon... Ah, je l'aime bien le sorcier, moi! Ah là 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 là! Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, donc je vais faire vite avant d'attaquer. J'ai un petit sujet que j'ai oublié de vous parler. Donc là, j'ai déjà fait les 3 attaques. Là même, la 3ème attaque est en première. Voilà, donc vous choquez pas si la 3ème attaque est en première. C'est parce que j'avais oublié de parler d'un sujet. Et donc du coup, bah, j'ai aussi oublié de parler d'un deuxième sujet, qui est ma nouvelle carte graphique que la semaine dernière, là, que je vous ai parlé la semaine dernière, la GTX 1060 Turbo 6Go de VRAM. Ça, franchement, ça pète, bam, ça c'est bon ça. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Et je compte faire vraiment des nouveaux jeux dessus, des jeux qui commencent déjà à vouloir un petit peu plus de ressources en graphisme, enfin de qui consomment plus de ressources, voilà. Et donc du coup, eh ben je compte faire un petit peu genre tout ce qui est Resident Evil 0. D'ailleurs sur Resident Evil 4, il va y avoir un mode bientôt en fin d'année. Donc coming 2016, donc c'est durant 2016 quoi, donc là la fin quoi, là bientôt là, en fin d'année là normalement, il devrait y avoir un mode, je crois c'est Resident Evil 4 mais transformé en Resident Evil 2 je crois, si j'ai bien compris. Donc ça devrait être plutôt pas mal, et ça aussi j'aimerais bien le faire celui-là. Ah ouais, et après il y en a aussi un autre, mais là qui prendra beaucoup plus de temps, je pense que ce sera pas avant quelques années, c'est Resident Evil 4 mais je crois c'est, je sais plus en quoi il a fait, je crois c'est Resident Evil 1 ou enfin... Enfin, ancien Resident Evil, ouais. C'est pas un Resident Evil spécial, c'est ancien Resident Evil, donc vraiment c'est Resident Evil 4 refait en ancien Resident Evil. Et ça, franchement, ça a l'air plutôt pas mal aussi, voilà. Et donc du coup, tout ce qui est Soccer Stars, Basketball Stars, Cooking Fever, il y a quoi d'autre? Il y a Puzzle Magic, il y a des petits jeux comme ça que bah, je ne ferai plus, hein, voilà, des petits jeux Android que je ferai plus. Qui vont être remplacés par tout ce qui est Luigi Mansion sur... Ah ouais, l'émulateur GameCube. Je vais faire de l'émulateur GameCube, donc ce qui est Luigi Mansion. voilà, j'ai pas d'autres idées pour l'instant. Mais, ah, il y a moyen que par la suite, on se fasse des bons petits jeux de GameCube et tout. Il y a moyen. Franchement, GameCube, ça a été vraiment la console que j'ai vraiment kiffé. C'est là où j'ai commencé Resident Evil, c'est là où j'ai commencé Bob l'éponge, c'est là où j'ai commencé Luigi Mansion, un jeu qui m'a vraiment fait kiffer. Tout plein de petits jeux comme ça, c'est vraiment ludique, tu vois. C'est des jeux, tu joues avec le plaisir, quoi. C'est pas du jeu, tu vois, t'as de la compétition. Non. Voilà, c'est des jeux, tu te fais plaisir, c'est un truc de fou. Bon, attendant, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir quand même avec tout, avec ces jeux-là, c'est avec cette carte graphique, il y a moyen de se faire plaisir. J'ai testé un Luigi Mansion, il tourne plutôt pas mal, 30 FPS tout le temps, il est toujours à 100%, le son est pas dégueu, il n'y a pas vraiment de ralenti, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. J'ai pas filmé en même temps, mais je pense que ça changera rien. Voilà, ça reste une carte graphique énorme. En attendant, j'ai rien d'autre à vous dire, il y a juste ouais, Criminal Case. Celui-là, je vais le laisser parce que c'est. Ouais, c'est quelque chose que. Ah, on va pas se cacher, Criminal Case. C'est vraiment. C'est le seul. La seule. Enfin, ouais, la seule vidéo que quand je la fais, tu vois, j'ai l'impression de faire quelque chose sur. Enfin, de faire quelque chose de plus poussé que d'habitude. Parce que je dois faire plein de coupures. Je dois avoir un mini-jeu d'acteur quand je lis les je sais plus comment ça s'appelle, les textes. Quand je les lis, bah, ça fait un mini-jeu d'acteur. Enfin, je dois essayer, tu vois, de peut-être des fois, je donne une petite intonation, des trucs comme ça, enfin, bon, des choses comme ça, et bon, j'ai du mal, hein, on va pas se le cacher, mais j'essaye quand même des fois, dès que j'y pense, voilà, j'essaie de faire un petit truc assez marrant. Et puis, ouais, donc, je kiffe faire du Criminal Case, c'est... Bon, ça prend pas du temps, mais disons qu'il faut, il faut vraiment faire tout le chapitre si tu veux que ça soit intéressant. Du coup, il y a des fois, enfin, plus on avance et plus les chapitres sont longs, et puis des fois, quand on n'a pas trop le temps, bah, c'est dur. Mais ça reste quand même plaisant à faire, le Criminal Case, donc c'est pour ça que j'aimerais ne pas le supprimer pour l'instant. Et puis voilà, mais en attendant, il risque d'avoir du Resident Evil 0, tout ça, la semaine, là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des choses comme ça. Je pense qu'on va commencer, là, aujourd'hui, avec du Resident Evil 0.
Ouais, franchement, non, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie. Voilà, non, j'ai envie. Bon, en attendant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous dire tout de suite pour les attaques. Donc, je sais, j'ai beaucoup parlé. Ah, c'est pas bien. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Fallait bien que je dise ça. Et puis voilà, donc moi, je vous laisse avec la vidéo, avec les attaques. C'est parti. Et c'est parti, on est contre Adil, qui est niveau 9, niveau 10 même, niveau 10, petit sourire, petite bonne chance, et qui a un... on va pas se le cacher, un petit... je sais même comment ça s'appelle. Ok, ça fait mal ça, hein. ça fait très mal. Donc on va envoyer ça, histoire de se faire plaisir quand même. Voilà, on joue trop bien. Et là, c'est qui kiffe la life là, hein? T'as le démon. Oui, bon, j'arrête. Oui, donc cette attaque, normalement, ça doit être la troisième attaque. Donc là, j'en suis à la troisième attaque. Seulement, je la mets en premier parce que j'ai oublié de parler d'un truc. Parce qu'on va pas se cacher, c'est pas passé inaperçu. Hein? Quand tu vois que tu passes à 500 abonnés en un week-end, bon, il y a un problème par-ci, par-là. Voilà, bon, c'est pas non plus ce qui m'importe le plus, mais ça passe pas inaperçu, quoi. Il y a un moment où tu t'en rends compte, quoi. Enfin, bon, voilà. voilà. Surtout qu'il y a je sais pas combien de commentaires qui arrivent comme ça de par-ci par-là. Vas-y, je suis en train de dormir, vous mettez des commentaires. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais voilà, enfin si, peut-être qu'il y en a, ils ont mis des commentaires pendant que je dormais, mais je le sais pas dans ce cas. Parce que bon, je dors, je peux pas le savoir. Mais en attendant, voilà, c'est vrai que c'est pas passé inaperçu. Donc, je tenais quand même à dire que c'était sympathique. Voilà. Non, j'aime pas trop remercier les gens parce que je sais pas, j'y arrive pas. Bon, merci, voilà. Et voilà, t'es content, voilà. Commence pas à me saouler, mon gars. Bon, voilà, donc, ouais. Moi, c'est pas forcément, tu vois, ce qui. Tu vois, comme je sais plus à qui c'est que j'avais dit, mais je crois que. Ouais, j'avais tourné ça comme ça, genre. Je crois que c'est. Ah, comment j'avais dit? Attends, j'avais dit bien dit, là. Je sais la fin de ce que j'avais dit, mais le début, c'était quoi déjà? C'est pas ce qui m'importe le plus, je crois, un truc comme ça. Je crois que j'avais dit c'est pas ce qui m'importe le plus, je sais pas quoi. Donc c'est pas mon but. Ah, est-ce que je crois que c'est pas mon but, mais ça fait partie du jeu. Ouais, j'avais dit ça comme ça. Un truc comme ça, ouais. C'est pas mon but, mais ça fait partie du jeu. Voilà, là j'avais dit ça comme ça, je sais pas, je voulais dire ça assez déliramment. Je sais pas si ça se dit. Non, mais arrête avec ton zap là, ça me défonce tout là. Vas-y, c'est pas possible. Hein. Regarde-moi ça là, tu me défonces tout. Bon, attends. Ouh, l'autre, elle a fait un petit turn là. Bon, attendant, on se fait plaisir quand même, ça va. Tu vois, je râle, mais on se fait plaisir. Voilà, donc, juste pour vous dire, voilà, que je suis actuellement à plus de 500 abonnés. Non, je ne ferai pas de trucs. Enfin, je ne ferai pas de choses spéciales parce que je n'ai rien en tête à faire. Et puis, franchement, j'ai pas d'idée. Et puis, je vois pas trop l'intérêt non plus de faire des trucs spéciales si c'est mauvais derrière, quoi. Enfin, si je fais n'importe quoi juste pour faire quelque chose. Non, bah non, hein, voilà, j'ai pas non plus, j'ai pas forcément envie de faire, enfin, j'ai pas vraiment, tu vois, si je me dis si c'est spécial, ça doit être spécial, ça doit... Oh, j'ai gagné au dernier moment, loser. Désolé, non, je me suis emporté, c'est juste que c'est un niveau 10, ça donne un petit peu de, ça donne un petit peu de confiance en soi, mais c'est complètement bête, en fait, parce que ça, enfin, c'est juste un niveau 10, quoi, enfin, c'est pas comme si c'était un niveau 13, par exemple, hein. Puis même si c'était un niveau 13, il aurait pu très bien avoir des troupes tout nulles. Quoique, quand t'arrives niveau 13, pour avoir des troupes nulles, franchement, c'est que t'as donné beaucoup de troupes, hein. Mais bon, voilà, donc, mais bon, c'est laisse tomber. C'est juste que je me suis un petit peu enjaillé, je me dis, ouais, super, j'ai gagné, comme ça, enfin bon. Voilà, donc, du coup, je n'ai rien contre le joueur en face, ok? Venez pas me dire, t'insultes les joueurs, parce que bon, voilà, bon, en attendant, voilà, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que, normalement, bon, encore... Je me dis 100 000, pas 100 000, hein, 100, virgule, 1000, virgule, 10 000, enfin bon. Donc voilà, c'est pas lié là, c'est vrai que c'est quelque chose de significatif, c'est des zéros, moi j'aime bien tout ce qui est rond comme ça, genre 0, 5, 10, 15, 20, 25, tu vois, des trucs comme ça, j'aime bien. Enfin, les numéros comme ça, j'aime bien. Et donc du coup, bah, c'est vrai que 500, par exemple, ça pourrait être un palier. Même 600, 700, 800, mais bon, voilà. Donc 500, ça pourrait être un palier, faire des choses. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'idée. Et puis moi, pour faire le palier des 100, ça faisait depuis le début de ma chaîne qui était ouverte que je préparais de temps en temps, quand j'avais rien à faire, je préparais des petits trucs un petit peu... On va pas se le cacher, c'était pas énorme. Dès que j'avais des idées comme ça, voilà, je faisais un petit truc par-ci par-là. Si c'était nul, bon, c'est pas grave, je mettais de côté. Et puis si c'était intéressant, bon, je laissais. Et puis voilà, donc là, j'ai pas eu le temps de pouvoir préparer quoi que ce soit. Et puis, surtout que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps du tout. Normalement, il y a une personne qui m'avait demandé
Bon, je suis pas fort en overlay, hein. Je suis pas très fort en overlay, mais il y a une personne qui m'a demandé de faire un overlay, je l'ai toujours pas fait, ça fait 2 semaines. Donc, parce que j'ai pas le temps. J'ai même pas commencé, ne serait-ce que placer une image. Déjà ça, j'ai pas commencé. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais j'ai pas le temps, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je te dise. Donc, bah, ce que je vais faire, moi, c'est que du coup, je vais vous dire tout de suite, bah, pour la deuxième attaque et la troisième, donc voilà, donc... Parce que normalement c'est la troisième celle-là, mais bon, vu que j'ai oublié de parler du sujet, bah voilà. Donc bah du coup bah je pense qu'on a tout dit, hein, voilà. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc. Bah ce que je vais faire, ouais, bah non, vous savez quoi, c'est pas grave. Non, j'ai pas oublié, non, je vais parler du truc et puis enfin de la chose, et puis je mettrai ça avant cette attaque là. c'est un bordel monstre. Bon allez, moi je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Et hop, c'est parti. On est chaud. On attaque comme ça, direct. Direct, comme ça. Alors, du coup, ce que ça donne, c'est quoi ça? Sarutobi. C'est qui, ça? Non, enfin, qu'est-ce que je dis? Voilà, donc on est contre Sarutobi. Sarutobi. Voilà, donc on va mettre, bah, direct, on va mettre le petit golem de glace, comme je sais pas quoi faire, donc je fais comme je peux. D'accord. Oui, d'accord. En plus, niveau 4. Ah, il est drôle, hein, franchement il devrait faire dans l'humour, hein, franchement c'est trop drôle. Ah ouais, non mais bon, c'est génial, franchement il est génial ce mec, regardez-moi ça. Oh bah tiens, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, il a réussi à me toucher, dommage, j'aurais pu penser qu'il m'aurait pas touché. Ah, ça aurait pu être pas mal. Oh, comment, regardez en haut à droite là. Regarde, il y a le petit molosse de lave là, enfin le petit molosse. Oui bah si, oui, mais il y a le golem de glace là, regardez-moi ça. Molosse de lave et golem de glace en même temps. Oh là là, délirant, et là ça fait tout bloquer. Ah ouais, ça ralentit. Bon, c'est pas extrême, hein. Mais c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça. Première attaque. Tranquillou. Paf. Rah. On lui a défoncé sa tête. Ah, c'était bon, ça. On a défendu de ouf, en plus, hein. Je pensais pas que j'allais réussir à défendre. Moi, j'ai vu le ballon. Bon, déjà, ça va. Je me suis dit, bon, le ballon, ça va. Mais après, j'ai vu le... J'ai vu que j'ai plus rien du tout, là. Attends. Comment je vais faire, là? J'ai rien du tout. Attends, oulala, j'ai en train de me mettre bien comme il faut, là. Ça fait mal, ça fait très mal, même. ça va, il y a la méga gargouille qui arrive pour faire le taf. Ah, ça fait plaisir. Il y a moyen de détruire... Bah non, qu'est-ce que je dis? Il y a moyen de faire du taf sur la tour? Bon, ça va. Ça donne une petite tour comme... Ouh! Ah, dommage, il touche. Ça donne quand même un petit avantage au niveau de la tour, hein. Surtout aussi au niveau de la tour principale, que j'ai quand même pas mal d'avantages. Donc, on va garder ça de côté. Enfin, on va mettre ça en arrière, histoire de faire comment ça s'appelle? Ah, comment ça s'appelle? De la réserve d'élixir, à la limite. Je sais plus comment on dit. J'ai perdu toutes mes bases. Donc, ça s'appelle temporisation. Ah, ça s'appelle de la temporisation. À la limite, ça peut passer. Donc là, c'est déjà plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. Ça va, on fait du taf, hein. On va pas se cacher, hein. Bah là, on fait du taf. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, tu vois. Ça fait plaisir. Bon, allez, c'est parti, on envoie tout ça. Ouais, je pensais pas faire du taf comme ça. Je ne pensais pas faire du taf. Oh, mais truc de malade. Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Non, arrête. Ça, ouais, non, ça va pas du tout. arrête. Non, tu vas victimiser. Non. Non, arrête, s'il vous plaît. Non, mais ça va. C'est bon. On est chaud. C'est bon, ça passe. Allez, stop. Oui. On envoie direct ça. On envoie direct ça, je m'en bats les steaks. Alors là, que je m'en fous. Allez. Oui, ça passe. Non, ça passe pas. Oui, ça passe, mais non, ça passe pas, finalement. Non, c'est trop chaud, là. Oui, attends, ça passe. Ça va. Ça va. On fait le taf. Ça va. C'est pas encore ça, c'est chaud, là. Là, je sais pas comment je vais faire, il faut que je mette masse de troupes. Si, op. Vas-y, cours, Forest, cours. Allez, oui, la Valkyrie. Vas-y. Ah, c'est chaud. Non, il va. Il met quoi lui? Mais attends, arrête tes conneries, arrêtez. Vas-y, arrête. Oui, ça va. Oh, c'est trop chaud, mon gars. Ah, dommage. Bon, ça va, c'est plutôt bien passé la game quand même.
Bon, on a fait une égalité. J'aurais peut-être dû aller à gauche. Ouais, c'était trop sensible. C'était trop sensible. Je me suis laissé submerger pour rien au début. Enfin, il y a un moment où je me suis laissé un petit peu attaquer pour rien. Voilà, ça arrive. Donc, petite égalité pour commencer. Bon, disons que ça fait plaisir, hein. Voilà, c'était une petite game comme ça pour commencer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Le golem de glace, j'ai pas pu beaucoup l'utiliser, étant donné que j'étais beaucoup concentré. Et je pouvais pas me permettre de l'utiliser comme ça, sinon ça m'aurait fait... ça m'aurait pas été d'utilité, quoi. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Allez, c'est parti, on est contre un petit niveau 9. Bah oui, parce qu'il est petit. Hein, il est petit, c'est comme ça, Les autres, ils sont toujours petits par rapport à moi. Je suis supérieur. Je suis surpayeur. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Non, mais non, je déconne, c'est pas vrai. Hein. Je suis pas supérieur. Bah non. Ça serait, sinon, ça serait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter quand même d'utiliser un petit peu plus le golem de glace, histoire de voir un petit peu mieux à quoi il ressemble, à quoi il pourrait servir. Ouh, je sais à quoi tu vas servir, toi. Enfin, la horde de gargouille, hein, ouais. Je sais à quoi elles vont servir, voilà, ça c'est bon ça. Et donc du coup, ouais ça va. C'est pas encore ça. Mais ça va, on fait le taf mon gars, ben regarde-moi ça. Hein, c'est qui kiffe maintenant, c'est qui kiffe. Hein, bah voilà, c'est qui kiffe, hein, bah oui hein. Encore un tir d'archer et la tour elle tombe par terre. Et là franchement, osez me dire que les archers c'est pas fort. Ouais non mais les archers c'est nul hein. Tu me fais rigoler mon gars. Attends, des fois elle me tombe des tours à elle, à tout seul. Tout seul elle me tombe des tours et tout. C'est un truc de malade, tu mets du géant archer, boum, t'as fini la tour. Eh ouais, mais il y a des fois c'était comme ça. Géant archer, sort de rage, boum, je te finissais une tour en 2 secondes chrono. C'est un truc de malade. Ah ouais, non mais franchement je te dis, ça reste énorme quoi. Ça reste kiffant. Franchement là il est mal parti, hein. S'il arrive à me battre. Ouais, attends, j'avais dit qu'on mettait du golem de glace. Hein, j'avais dit qu'on mettait du golem de glace. J'achetais du golem de glace. Oh là là. Bon, en attendant, je pense qu'il y a moyen de faire du taf quand même. Ouais. Bon, le golem de glace fait pas un gros taf. Mais disons que c'est plus pour le côté ludique, pour le côté délirant. Voilà, mais sinon c'est pas extrême quoi, hein. Franchement, c'est pas. Bon, ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire ça. Ça passe. Ça passe mon gars. T'as le démon là, hein, t'as le seum, hein. Ça c'est bon ça. Là tu vas mettre ton sorcier de glace. Sinon c'est complètement con. Mais tu l'as mis où ton sorcier? Pourquoi tu l'as mis là? Les hordes de gargouilles mon gars. Mais ouais, mais aussi c'est toi aussi là qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu mets ton sorcier de glace là? Il va rien me protéger. Oh. Oh, comment t'as eu de la chance. Bien sûr, il y a 2-3 malins qui vont me dire « Ouais, mais si t'envoies les flèches, tu sais, tu peux gagner !» Non, mais j'en rigole, genre « Oups !» Ah, ça par contre, c'est pas drôle, ça. Ça par contre, c'est pas drôle. On va mettre ça, quand même. Voilà. Ok. Ça va? Ça va. Mais attends, je veux le 3 étoiles, moi. Vas-y. Vas-y, 3 étoiles, s'il te plaît, vas-y. Laisse-moi le 3 étoiles, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, mec T'aurais pu détruire... Mais pourquoi je vais pas laisser la tour, moi aussi, là? Je suis pas intelligent. Mais de toute façon, ça me sert à quoi d'avoir 3 étoiles? Non, finalement, ça me sert à rien d'avoir 3 étoiles, effectivement, mais bon, malgré tout, voilà. Bon, j'aurais préféré un super coffre magique. Bon, malheureusement, qu'est-ce que je te dis? Mais bon, comme je vous ai dit la dernière fois, dans l'avenir, il risque d'ici une ou deux semaines, si j'ai de la chance, hein, ça peut être dans la fin de semaine, hein, mais d'ici une ou deux semaines, normalement, il devrait y avoir peut-être un pack opening plutôt spécial. Peut-être. Eh ouais, je vous dis pas plus parce que je peux pas vous dire plus, hein, étant donné que j'en sais pas plus. Non, je déconne, j'en sais plus, mais je préfère pas. Voilà, donc on a terminé nos 3 petites attaques, et voilà, c'est déjà bien. Ah non, c'est pas mal, franchement, 3 petites attaques, tranquillo, calme, bon. Ouais, donc en attendant, moi je vais devoir vous laisser sur ce, on a fait nos 3 petites attaques, voilà. On a vu un petit peu on l'a pas vu la nouvelle carte graphique, mais on en a parlé. Voilà, des petits projets, projets entre guillemets, mais des nouveaux, enfin un changement quoi, un petit changement. On a parlé aussi des 500 abonnés, ce qui est, bon, assez délirant, on va pas se cacher. Et puis, voilà, mais on n'est pas, franchement, on n'est pas pressé. Mais non, mais tu veux être pressé de quoi? Tu veux être pressé d'un nombre? T'es fou, toi, moi, à la limite, je suis pressé comme un citron, si tu veux, et je conseille. Non, tais-toi. Faut mieux pas dire, parce que sinon... Oui, donc du coup, voilà, c'est...
Vas-y, tais-toi, là, je suis en train de parler, je suis en train de terminer ma vidéo, ferme ta bouche. Un coffre gratuit, mais je m'en fous. Mais je suis en train de jouer à Clash Royale, là, je le sais, putain. Bon, oui, donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, donc on a parlé un petit peu de tout ça. On est pressé de rien du tout. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que ça reste un nombre. Hein, ça, 500, 500, c'est quoi 500? C'est 500, tu vois? 500, c'est 500. Enfin, voilà, c'est comme si t'accordais de l'importance à un bonjour ou un stoplait. C'est juste un mot, tu vois? Ceux qui accordent de l'importance pour ça, et je comprends pas. Hein? Si, je comprends, mais voilà, d'un sens, ça a pas de sens, tu vois? Mais bon. C'est pour te dire, voilà, c'est moi j'accorde pas. Oula, j'ai du mal. Moi j'accorde pas d'importance comme ça pour les choses. Voilà, j'essaye quand même de rester quand même. De me dire, bon, ok, voilà, ça fait plaisir. Ça reste un nombre, hein. On va pas commencer à se dire, oh, t'as vu? J'ai un nombre. T'es génial, hein. Non, bah non, c'est bon. Oh, ouais, vaut mieux faire abstraction ce genre de choses parce qu'après, je sais pas, moi je préfère me dire que c'est juste un nombre, tu vois. Non, je préfère, tu vois, je préfère pas me dire, ah, t'as vu, non, mais t'as vu, non, enfin, je sais pas. Je me dis, tu vois, au moins, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça pour tout ce qui est gros mots, insultes, tout ça. J'ai fait ça. Donc, moi, quand on m'insulte, moi, je m'en fous, hein. Moi, ton mot, là, c'est comme si tu me disais bonjour, tu vois, c'est exactement pareil. Pour moi, ça n'a aucune signification. Mais ouais, c'est un truc fou. Bon, je sais ce que ça veut dire, au fond. Mais, voilà, enfin, moi, pour moi, c'est rien, quoi. Tu vois, pour moi, ça vaut rien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux me dire n'importe quel mot, ça reviendra à la même chose, ça sera un mot. Voilà, donc moi, j'accorde pas d'importance, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Franchement, vous vivrez mieux si vous accordez pas d'importance aux choses. Et sinon, c'est. Ah, et franchement, il y a plein de. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut pas accorder d'importance, et franchement, ça aide, je peux vous le dire. En attendant, bah moi, je vais essayer sur ce. Donc voilà, donc trois petites attaques. Bon. Hein, assez délirante, mais plutôt sympathique. Bon, ben, moi je vais essayer sur ce, voilà. Je sais pas, j'aime pas trop finir les vidéos, c'est, je sais pas, c'est dommage. Je sais pas, j'ai du mal à chaque fois, je sais pas pourquoi. J'essaie toujours de réfléchir, voir si j'ai pas oublié de dire un truc, enfin quelque chose, ou voilà. J'ai du mal à pas dire truc, hein, c'est un truc de fou. Hein. Bon, en attendant, moi je vais essayer sur ce, je vais vous lire une prochaine vidéo, on a plutôt bien commencé la semaine, et voilà, je me suis coupé. On a plutôt bien coupé, ah, on a plutôt bien commencé la semaine, donc du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, c'était cool!